Bonsoir, juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que dans la vidéo, en fait, ma voix elle est un petit peu pétée. Alors en fait, je sais pas, ce moment-là, j'ai un petit problème de micro avec OBS, et le son il est un petit peu dégueulasse, mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Eh bien, bonsoir à tous, les amis, ça fait longtemps que j'ai pas posté vidéo, oui, je sais. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Rory et je vais tester un tout nouveau jeu. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des vidéos sur Minecraft, sur quelques autres jeux. Mais voilà, j'ai envie de changer un peu parce que c'est vrai que ma chaîne, c'est quand même du gaming. Donc voilà, aujourd'hui, on va commencer une toute nouvelle aventure sur le jeu Stray. Donc, j'avais vu pas mal de vidéos, pas mal de contenu sur ce jeu. Et j'ai trouvé que ça avait l'air intéressant, alors je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc vous pourrez suivre mon aventure, enfin voilà, même si vous avez vu sûrement celle d'autres personnes, vous pourrez suivre la mienne. Bon, voilà, j'espère que vous ennuierez pas, j'espère que ça vous plaire aussi évidemment. Et sur ce, on va commencer. C'est parti. Donc à savoir que ce jeu, voilà, on incarne un chat. Ouais, c'est, ça a l'air lui d'être le personnage principal. Et voilà, il y a plein de choses. Interagir avec les chats, c'est intéressant. On joue avec lui. Tout ouais. C'est bon. Five minutes later. Ah, je sais pas comment on peut faire. Ah, je peux me poser avec les yeux fermés. Ils sont en train de dormir. C'est intéressant. Je crois que c'était la solution. Quand tu es un chat, tu dors. Voilà, exactement. T'es un chat, tu dors. C'était tout con. Mon chat respecte très bien cette règle. Évidemment. Attends, la cinématique. Thank you.
D'ailleurs, au passage, abonnez-vous. Ils sont passés où? Bah ils sont là. Ils boivent de l'eau. Ah, ils essaient de nous dragueur. Logique, logique. Hein. Il va se passer un truc là. Ah! Aïe aïe aïe, il va tomber! Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le regardez comme ça? Non, il est tombé! Un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. C'est faux! On nous a menti toutes ces années! C'était inadmissible! Baliverne! Bref, attends. Ils sont en train de miauler depuis là-haut? T'inquiète, c'est juste la caverne de Alibaba, t'inquiète, ils sont gentils. Ah merde, il s'est. Ah putain, il s'est fait mal à la patte! Attends, on peut voir? Non? Oh. Non, c'est des rats, un chat, tout ça, c'était censé pouvoir leur faire des petites surprises. Ouais, je sais pas. Bref, oula, voyons voir ce que je peux faire. Là, je peux sauter. A few moments later. On va essayer de ressortir. Si, si, là. Là, par contre, tu vas finir en Carpaccio. Ah, non. Genius. Tu ne pourrais pas récupérer le sou? Peut-être qu'il va te servir. Je sais
Non, attends. Non, j'ai pas l'impression. Non. Comme pour faire tomber des trucs. Ah oui, bah ça, c'est un truc de chat, c'est. Ouais. Tu menaces de faire tomber quelque chose. Logique. Oula. Alors, petit lag. C'est rien, c'est la rue. Hein. Tu peux faire tomber encore le pot de peinture. Bien sûr. Très utile. Allez, faut pas se gêner. Oh, intéressant. Tu veux voir. Ok. Alors ouais, la... D'accord. Il y a de la peinture partout. Mais bon, c'est pas un problème, on s'en fout. Ah, si on est-ce regarde... que tu laisses des... Oui, oui. Est-ce que tu laisses... Oui. Oui, il laisse des empreintes. Examine tes propres empreintes, t'es pas très malin, tu sais. Ah non, tu es tes griffes. Ok. Ça fait des grosses traces, mais c'est rien. C'est... Ok. Dans tous les cas, tu t'en fiches. Ouais. Je suis un chat et je vous emmerde. C'est un robot. Tu l'as passé. Ouais, je me demande ce qu'il a mis dans un état pareil. Bon, je vais pas. Ici, ça a l'air d'être fermé. Je vais monter sur la poubelle. Wow. Ah, Léo, je suis désolé, mais c'est une vidéo qui ne peut pas spoiler. Vraiment, désolé. Bonjour. Ok. Ah oui. Oh, intéressant. Le stream. Ah oui, merde, pardon. A few moments later. On va se faire agresser. Oh, pinaise. Cavale, Kini, cavale. Gaz. Ah. Oh. Non, c'est... on s'est fait... Non. On s'est fait bouffer. Un left alt. Bon, on recommence. C'est bien de la mort. Oui, j'ai bien mouru. Tu vas pas recommencer tout début, gros. Non, mais non, tu peux pas. Non. Quoi? Mais non! Je vais pas essayer de sauter quelque part. Non, j'étais presque, Kenny Simulator, cavale, Kenny, cavale. Il y en a beaucoup trop. Ils sont trop nombreux.
Eh non, si je meurs là, Polo. Laisse-moi tranquille. Ouf. 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 J'ai réussi. Yes. On a échappé au rat. Eh, c'est drôle quand même de dire ça, on a échappé au rat. Je crois que ça, je crois que tu dois aller à droite. Je suis non, sûr non, de rien. Je vais aller à gauche. Je pense. Ah bah ouais. On va reprendre un truc. Ah non. Non, tu as déco éteint. Ok. Ça fait éteindre. Ok. Bah du coup l'appartement. Ok. Alors évidemment comme toujours on va faire ses griffes. Mais c'est qui cette personne qui nous demande de l'aider? Mais corps requis pour télé. Hein? Passer la porte allumée, trouver un corps. Trouver un corps, comment ça? Oh, trop bien! Mec. Et c'est 05 qui s'est écrit, comme quoi il n'y a pas de hasard. Ah oui, t'inquiète. Il n'y a pas de hasard. Je suis partout. Alors, là, les claviers, t'inquiète, tu vas t'allonger dessus. Voilà. C'est bon. Ah ouais. Oui. Moi, je veux là, ici. Voilà. Voilà. Non, tu peux écrire tout ce que tu veux. Et... Ah non. Ah, ouais. Je pensais que j'allais taper sur le clavier là, tu vois. Ah, pam 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 pam. Ah, attends, c'est ça le corps dont il parle? Je pense. Ah, bah, rip sa tête. Je suis censé le mettre. Y'a rien dans le carton. Je pense que je dois faire demi-tour. Hein. Ah non, je dois le mettre ici. Ah, intéressant. Ah, attends. Je sais ce que c'est. C'est son petit ami robot. Ça a marché, je suis libre, merci. Je ne croyais pas les caméras. Un chat dans la ville. Dans la ville morte. J'ai oublié mon nom, je crois que ma mémoire est endommagée. Je suis resté trop longtemps pour me marcher. Je sais que j'ai travaillé pour un sentier qui vivait ici. Ok, intéressant. Normalement, tu n'as qu'à m'appeler B12.
vraiment en dangereux, mais tu as l'air débrouillard. Sortons d'ici, suis-moi. Ok. Alors, où est-ce que tu es parti? Qui est là? Cette clé ouvre la porte, c'est tout ce dont je me souviens. Je vais te l'attraper. Très bien. La batterie est déjà presque vide. Ouais. Il va falloir que tu mettes ça. Ah. Ok. ISM alias la batterie externe. Ouais. Ah, par contre, ça a l'air de peser une tonne. Alors, regarde comment il marche. Conçu pour les petits quadrupèdes dans ton genre. Il n'est pas trop gênant à porter. Ah. Ok, on peut voir son inventaire. Donc on a les clés. Voilà, c'est tout. Pour savoir après ça, un objet, montre-le moi. On montre à d'autres gens si on a pu. Après, il faut sortir de cet appartement. Ok. Ah, ok. Sélectionner un objet utilisé. Alors, utiliser l'objet. Ok. Cool. Alors, pour aller sauter. Et pour utiliser la lampe. Carré ça. Saisir le code. Je sais pas c'est quoi moi le code. 5 minutes later. Code 3748. Ah ok. C'était tout con. Enfin, ouais, je vais chercher. Nickel. Attends. Je sais qu'on doit monter. Non, on va aller dans le seau. Easy buddy. C'est génial. J'adore ce seau. T'es ouvert, joue sur les, dans les tyroliennes sur Apex. Ouais. C'est quand t'as les jeans en dessous de toi que tu veux pas t'ouvrir. Ça me revient à l'extérieur. Comment ça à l'extérieur? T'es déjà venu ici, c'est de là que tu viens. Quelqu'un que j'irai là-bas, mes premiers acquis. La carte postale, elle a inspiré cette peinture murale. Ok. Deux, c'est une question. Continuons. Bah, ça, c'est une très bonne question. On a découvert 3% des souvenirs. Bah c'est cool, on a des souvenirs. Oh, le seau. Oui. Oh, punaise, ça grouille de ces petits rats là. Même là, il y en a. Non, c'est pas des rats, c'est tout. Non. Cavale. Voilà, ici, ils peuvent pas monter. Quoi? Si, ils peuvent monter. Quoi? Mais non, frère, ma manette, elle appuie sur. Non, attends. Ah non, c'est peut-être que j'ai fait une mauvaise touche. Ils peuvent pas monter jusque-là. Ouais, ok, là je suis safe. On va continuer. Attends, il a l'air d'avoir. C'est un robot? Les taudis. Le robot. Viens ici. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi est-ce qu'il a allumé l'alarme?
plein de robots en fait. Et je crois qu'ils sont encore venus. On va faire un combat de kung fu là ou quoi? Okay. Rencontrer. On dirait qu'ils ont leur propre langue. Intéressant. Tu n'es pas un zurk. C'est quoi ça, un zurk? Tu es d'une espèce inconnue. Tu es le bienvenu dans le monde. Tant que tu ne manges personne. Oui, oui, bah c'est très bien. Ah, et tu aimes pas manger du métal quand même? Ouais, bah les chats ils mangent du métal, ils mangent la ferraille. Comment ça, ridicule? Sa sensation ne fonctionne pas, tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit, enfin sauf les extérioristes. Ok, on apprend plus. Mais ils sont tous partis maintenant, sauf Momo. Tu peux essayer de lui parler si tu veux, mais il a abandonné toute idée de départ, et c'est tant mieux. Il vit tout en haut de ce bâtiment avec le néon orange. Là et là. Oh putain mec, c'est grave. Oh, bref. La porte, c'est sûrement celle-là. Et là, la fenêtre est ouverte. Partir, je suis tout seul. Là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux y aller? Ne te fatigue pas, si une perte de temps, tu ne trouverais que solitude et désespoir. Mes amis en revoient la scène maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve seul. Et mais cette merde de radio ne fonctionne pas. Avons pris des notes sur nos recherches au sujet de ça. Tiens, prends les miennes si tu tiens vraiment à y aller. Je ne veux plus entendre parler de l'extérieur. Bonne chance. Ah. Ses amis lui manquent. Il y en a qui nous attendent. Nous devons fuir les urques. Et Clémentine, Balthazar, Doc et Momo. Trouver les autres carnets. Ok, c'est intéressant, on a appris pas mal de choses là.
par contre, on dirait que les Urques, ce sont entre guillemets leurs ennemis, quelque chose qu'ils aiment pas trop. Non, je crois que les Urques, c'est eux, ou non, je sais pas. Non, non. Les Urques, début, j'ai l'impression que c'est... Quand moi, je suis arrivé là dans la ville, ils ont dit, tu ne serais pas un Urk. Je crois que Urk, ça veut dire qui, d'extérieur, je sais pas quoi. Les frigos. Ah. Les frigos. Ouais, je vais regarder. C'est même le gars, si je me mets à gêner. On dirait que celui-ci appartient à une certaine Clémence. Je suis pas avant que la radio ne tombe en panne. Je sens un lieu au centre-ville qui semble contrôlé par une sorte de force répressive. Alias la police. La police, c'est bien un policier. J'ai parlé à Momo tout à l'heure, ses yeux. Je connais ce regard, il ne viendra pas avec nous. Ah. Trouvons les autres carnets. Mais attends, mais c'est lui qui a voulu ne pas venir, du coup. Bref, du coup, allez. Le frigo. Il y a quoi dedans? Il y a quoi? Ça me semble normal. C'est pas donné. Faut pas laisser le frigo ouvert. Bon, je pense que là, c'est tout. Mais c'est grave. Mais... Attends, regarde l'image. Les clés de ton coffre, tu devrais mieux les cacher. Faut trouver les coffres. Derrière les livres ne suffit pas. Jess, la bibliothécaire. Ok, bon, donc il y a un coffre. Ouais. Hein. C'est le carnet, hein. Il est caché derrière. Donc, voilà. Sélectionner un objet. Ah. Ah. On va prendre ça. Un carnet en plus. Qui appartient à deux. Spectromètre a une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les heures qu'en sortant. Première tentative explosive, je vais peut-être devoir le tester dans des conditions réelles. Trouvons les autres carnets. Du coup, il en reste plus qu'un. Ouais. On était déjà rentré dedans tout à l'heure. Et bah voilà, il est là. Le dernier carnet. Ouais, celui-ci appartient à un certain Balthazar. Toute trace de vie organique a disparu à l'exception de ce qu'on appelle les heures. Là qu'il mange tout ce qui bouge et qu'il se reproduit à une vitesse inimaginable. Comme si se retrouver enfermé dans cette cité n'était pas difficile. N'était pas si difficile. Il y a aussi une note sur ce mur. J'ai trouvé un défaut de conception à la radio, mais je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. Ouais, du moment à réparer la radio. Si on me permet de communiquer avec une voix supérieure, ça pourrait être un moyen de. Ok. Bon, et ben les gars, on va vous faire chier, mais voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes impatient, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour voir la suite. Et puis ça m'étonnera un petit peu, mais ça c'est pas grave. Enfin bref, voilà. Dylan sort l'épisode 2. Et il sort l'épisode 2. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. Bah sinon, votre suspense, vous l'avez dans le 1. Voilà, en bas là, en bas. Bref, c'était Yassine Rouy, et on vous dit à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.